بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس التي أقدمها في الحين. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو، لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي تشجعوننا دائما على المزيد من العطاء. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère, comme d'habitude, que vous allez toujours très 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 bien. Vous connaissez bien que ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégien. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année, cycle collégial. Première année, cycle collégial. Le titre, ou bien le chapitre, si vous voulez, droite dans le plan. Al-Mustaqimas, Al-Mustawa. Parallélisme et perpendicularité. Al-Tawazi, Al-Ta'amud. De droite perpendiculaire, de droite parallèle. Premièrement, droite, demi-droite et second. Al-Mustaqim. خط مستقيم، نصف مستقيم، وقطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة. ديفينيسيون، تعريف. par deux points A et B، بواسطة نقطتين A et B، on peut définir، يمكن لنا أن نعرف un segment اللي هو قطعة مستقيم، مستقيمة محدودة من جهتين، limité، qui est formé de points، un ensemble de points alignés et limités de deux extrémités. مجموعة من النقاط مستقيمة لكنها محدودة من جهتين A et B. par A limité par A et B. On note comme ça A B. Ça veut dire A avec crochet. Ça veut dire il est limité en A, mais aussi il est limité en B. Donc nous avons deux crochets. Ça veut dire que le segment AB est limité en A. Et il est limité en B. محدود من A ou محدود من جهة B. On lit le segment d'extrémité A et B. Voilà la lecture. Et voilà comment on le note. Alors voilà un segment. Voilà l'extrémité A. Voilà l'extrémité B. Voilà un ensemble de deux points limités. Un ensemble de points limités par A et limités par B. Deuxièmement, une demi-droite. Demi-droite. Nisf mustaqim. Qui est formée de points. هو نصف مستقيم، مجموعة من النقاط لكنها محدودة من جهة وغير محدودة من جهة أخرى. أليني مستقيمة، مجموعة من النقاط مستقيمة. إليميتي دون إكستريميتي أ أبلي لوريجين. لوريجين دو لا دومي دروات أو أو بيان أ. أون لا نوت أ بي أ أفيك أن كروشي كي سينيفي ليميتي أون أ. Et B avec une parenthèse, ça veut dire il est ouvert, il n'est pas limité. Donc on peut l'aligner, on peut l'aligner. On lit demi-droite d'origine A. Demi-droite d'origine A et qui passe par le point B. Nismusakim, asloho A. L'asl dialo A et qui passe par B. Qui passe par B. Je termine l'explication. Alors voilà la demi-droite, voilà l'origine A ou bien l'origine O. Il passe par le point B, il est illimité de ce côté-là.
Il est limité en A ou bien O, et ici il n'est pas limité. Une droite qui est formée d'un ensemble de points alignés et non pas. Non, ça c'est la droite. Donc ça, c'est la demi-droite. On a expliqué la demi-droite. C'est un ensemble de points limité en A et qui n'est pas limité par B. Passons maintenant à la droite, le moustaqim, qui est formée d'un ensemble de points illimités. Pourquoi illimité? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'extrémité ni à droite ni à gauche. Alignés, ils n'ont pas d'extrémité. Laisse la hujud, la al-yamin ou la al-yasar. On la note à B entre parenthèses. Ça veut dire illimité en A, illimité en B. On lit la note, on la lit la droite à B. Voilà la lecture et voilà comment on la note entre parenthèses. Les propriétés de deux droites dans le plan. Khasiyat dial, juge dial moustaqimat fi al-moussawa. Définition. Deux droites sont deux droites qui ont un seul point en commun. Donc, ce qu'on appelle un point commun, appelé le point d'intersection. Ça se met au point d'intersection, ou alors ça se met au noctas à taqatur. Noctas taqatur bien le mustaqimé. Donc voilà, deux droites qui sont qui ont un seul point, d'intersection, bien maintenant, il y a rien, il fait noctas. Donc ce qu'on appelle les droites secondes. Deux droites, c'est secondes. Deux droites perpendiculaires sont deux droites secantes, mais ici ils n'ont pas, donc les angles sont aigus et obtus. Pour les droites perpendiculaires, ils forment quatre angles droits. بالنسبة للخطين متعامدين يكونان أربع زوايا قائمة. Angles droits, on dit que L et D sont perpendiculaires en A. Voilà deux droites perpendiculaires. Voilà, elles sont perpendiculaires en A. Voilà quatre angles. Quatre angles droits, ça veut dire la mesure de l'angle, c'est 90 degrés. On note L et D. On note L est perpendiculaire à D. On lit A et D sont perpendiculaires. On dit A et B. A et D sont perpendiculaires. Ou bien L est perpendiculaire à D. C'est la même chose. Voilà le signe de la perpendicularité. Bien, je termine l'explication. Alors voilà deux droites parallèles. Hein? Sont deux droites qui n'ont aucun point en commun. Les deux droites parallèles, ce sont deux droites alignées, perpendiculaires. Les salahuma aïnokta dien sakato. Les sakiani abedin. بنسميه بخطين متوازيين هما خطين لهما نفس المسافة ولا يتصلان أبدا يتقاطعان أبدا أو بيان تو لي بوان لو بوان سون كومون أو بيان تو لي بوان سون كومون إما غنقولو دو دروات باراليل اللي ما عندهمش أي نقطة ديال التقاطع بمعنى لا يلتقيان أبدا أو يمكن نقولو بأن النقاط ديال أ هما النقاط ديال بي بمعنى مجتمعين. إذن عندنا هنا مثال دو دروات بيربونديكولير كي نو أوكان بوان دو أون كومان سكو نابيل لي دروات ديسجوانت بمعنى منفصلين. ألور إل إي باراليل أ دي أون لي إل إي باراليل أ دي فوالا لو سين فوالا لا ليكتور إل إي دي سون ديسجوانت بمعنى منفصلين وحدة بوحدة وحدة بوحدة منفصلين. هنا العكس تنشوفو لو سيغمون إل sur le segment D, ça veut dire mujtami'in, واحد فوق واحد. Donc on dit L est parallèle à D, L est parallèle à D, L et D sont parallèles, elles sont confondues. Et là, mujtami'in, بمعنى ils sont confondus. Une seule droite, on a deux droites. Voilà. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu du parallélisme et du perpendicularité. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.